deux équipes de 4. Il y a une équipe qui joue des fantômes qui peuvent se transformer en n'importe quel objet. C'est comme dans Prop Hunt, hein, vraiment. Qui peuvent se transformer en n'importe quel objet. Ils ont des pouvoirs qu'ils définissent en début de partie. Par exemple, faire croire à un spectre qui est plus loin alors que c'est juste une illusion. Ou faire bouger des objets au loin, etc. Machin. L'autre équipe, ce sont les chasseurs de fantômes, dont le but est de débusquer les fantômes. Ils ont différents outils pour ça. Par exemple, un détecteur de froid, un détecteur de bruit, ce genre de truc, des armes, etc. pour buter les fantômes. Et au bout d'un certain laps de temps, je sais plus combien de temps c'est, peut-être 5 minutes ou un truc comme ça, je ne sais plus. Si tous les fantômes ne sont pas morts, ils reviennent à la vie. Mais s'ils ne sont pas aspirés, parce que t'as aussi un aspirateur. Mais bref, ils reviennent à la vie et ils chassent. Les chasseurs deviennent chassés. Et là, le but des chasseurs de fantômes est de survivre, parce que les fantômes reviennent en mode très puissant et très violent. Merci Valise pour les 14 mois. Loup solitaire pour les...